ben, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Ben, les meilleurs pour la fin. Bon, ben, voici un match que j'ai joué contre un joueur de Pokémon Trainers. Ok, puis disons que c'est grâce à mes bons placements que j'ai pu placer de très bons coups. Au bon endroit, au bon moment. Et ça, ça va arriver surtout lorsqu'il va jouer Dracaufeu. Combien de fois qu'il faut que je le répète? Genre, le bout de feu. On finit pas vite un combat à cause de ça, là. Et il y a une bonne minute, là. Regardez la partie d'ici. De toute façon, on recule. Paf! On avance. On recule. Paf! Alors, dans l'arrière, il n'a pas marché. À la fin. Bon. Maintenant, allons voir un autre match. Hey, je suis vraiment content que Rodolphe Bagnetta ait réussi à gagner ce match-là. Vous pouvez vous imaginer, là, ok, le cri que j'ai fait, là, quand il a gagné, j'étais là. Savez-vous comment que j'ai fait ça? J'étais là. Oui! C'est ça ma réaction, j'étais là. Oups! Attendez une minute, là, je me suis trompé. Non, c'était l'autre match d'après, sur la même arène, mais sur la arène originale. Bon, c'est ici. Il a reçu le semi 2 contre 1 haut la main. Et ça a remis mon pointage à 5,389 millions de points. Avant que je recommence le lendemain à 5,390. Oh boy, ouch. Je sais pas comment il va pour se mettre en venue, mais probablement qu'il a fait une roulade arrière sur la droite ou sur la gauche. Il a juste même calculé ce qu'elle a atterri par la suite en faisant une roulade arrière. Thank you.
Ouais, c'est pas toujours mon temps. Mais pas ici. Dommage. Je vais les faire quand même pour le ski. Merci de m'avoir sorti le pétrin et d'avoir mis le KO. Il est à 114%. Comment qu'il va réussir à battre le Link enfant? Le bail est attention, checkons bien ça. Oh oh! Bien joué là-dessus, ça y est, un bon enchaînement pour vous. Puis un chemin chaud par la fin, c'est pas bête ça. Là, il essaie de le pogner comme ça. Et ça finit là. Et c'est à partir de là que j'ai dit oui! Genre, en criant, genre vraiment, genre, il y a vraiment un cri du cœur, là. Quand j'étais là, oui! Genre, c'est vraiment un gros cri du cœur, on aurait dit que je criais au meurtre. En m'exclamant. Bon, ça ici, c'était mon premier match en équipe. Après mon chemin à toi que j'ai perdu ce soir, pour une séquence de 7 victoires d'affilée, incluant le duel. Entre ça. Mais écoutez, ça avait mal parti au début. Mais le joueur de Tomang, à la fin, il me dit que moi j'ai dit bien joué, puis il dit j'ai failli perdre. Et écoute, tu devrais me comprendre un peu, Crime. Le joueur, il a fait carrément exprès de me sauter sa tête, Crime, en plein que je suis au-dessus du vide, là, puis il m'a écrasé la tête. Fait que là, je me suis retrouvé dans une mauvaise position, puis j'ai chuté lourdement. Mais je me suis bien rattrapé avec deux bons Falcon Punch bien placés contre le joueur de Link. Qui essayait de faire tout le temps des honneurs après avoir accroché au rebord pour nous atteindre. Sauf qu'on les Falcon Punch, ça a bien passé. C'est grâce à ça qu'on a pu gagner notre match. Je l'ai attrapé, ça va aller. Ça va, aïe aïe. En retardement, avec tout le monde. Ça va que tu peux. Ça va, tu peux l'activer n'importe quand. Regarde, c'est là qui m'a fait ce petit chien là. Hey, on était loin d'avoir failli de perdre quand c'était juste le début du match là. C'est vrai que c'est pas très encourageant, mais écoute, j'ai pas été chanceux là dans ma chute là. Carrément l'autre joueur qui m'a sauté sa tête. Regardez après ça, le beau Falcon Punch dans le joueur de ligne. C'est pas fini. Hey, toi, le crosseur, puis tu manges dans le dos. Oh oh! Non, c'était pas une bonne idée ça. J'aurais dû faire un dash attack. Allez, viens jouer là-dessus. Beau chemin au montant contre le bois de boutillier. Ouais, puis le boutillier a sauté de manière maladroite ici. C'est ce que vous faites en sorte qu'on a pu l'emporter. On dit qu'on finit par abandonner les deux. Fait que dis pas, disait en début de partie qu'on a failli perdre là quand même. Là, ça y est, je me suis bien rattrapé. Parce que j'ai juste été malchanceux parce que l'autre joueur m'a sauté sa tête. Écoute, là. Pas être si malchanceux que ça, genre. Tu sais. Pas une mauvaise chute comme ça, Seigneur, ça c'était pas moi qui l'avais provoqué à la base. Oh, ça a duré que seulement que de moins de 2 minutes, Seigneur, c'est déjà très bon. Malgré que c'était pas une partie sans chuter, Seigneur, ça a été rapide. Puis une séquence 7 victoires de suite, après ça une séquence 7 victoires de suite que j'ai aligné. 1,
Après ça, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puis Elite Smash, yeah! Elite Smash, wouh! Et il se passe avec Captain Falcon, wouh! Puis la suite, ça sera Buzzer. Mais avant ça, avant d'en arriver là, je vais jouer peut-être un ou deux personnages avant de commencer vraiment dimanche à jouer intensément avec lui. Puis j'ai réussi mon objectif de le finir en moins de 36 heures. Ça serait déjà un bon exploit pour moi. Puis ça augure bien pour la suite des choses. Mais n'oubliez pas, la persévérance est la clé du succès. Et j'ai encore démontré avec Captain Falcon, même si c'était décourageant bien des fois. Beaucoup de drops. Ah. Puis il passe à travers le 5.289 millions de points là. J'étais là, je focus tout le temps sur ce chiffre-là, mais une fois que j'ai débloqué, moi, ça a été un grand soulagement pour moi parce que d'ailleurs, ça a pris des 3 fois avant de pouvoir passer à travers ce pointage-là. Parce que c'est à partir de là que. Gros drop. Bon, ben sur ça, je vous souhaite à tous une bonne soirée et à une prochaine fois.